Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance avec moi, réservée en cliquant sur le deuxième lien, allez sur mon site, posez-moi vos questions et je suis à vous, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, Angel Swiss, give me a reading for my Scorpio Swiss. Thank you so much. Les scorpions, puis ça va, c'est dans vos ici les anges qui me disent que vous avez décidé de retourner chez un ex, de retourner vers une ex. On a ici deux ex qui sont sur le point de se remettre ensemble. Mais on a aussi les anges qui me disent que c'est une ex avec qui vous n'aviez pas réellement eu l'opportunité d'expérimenter une relation. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpio. Yeah. Puis c'est une partie d'entre vous. Il y a ici... un Tower moment qui s'est passé et aujourd'hui qui vous pousse à repartir dans les bras d'une autre personne. So, puis c'est une partie d'entre vous. On a ici les anges qui viennent de faire quelque chose de bizarre. D'accord? On a les anges qui viennent de provoquer une situation très bizarre. On a ici les anges qui ont provoqué une séparation du côté d'une femme. Au même moment qu'ils ont causé une séparation du côté d'un homme. On a deux partenaires qui sont destinés à être ensemble, que les divins ont carrément décidé de remettre ensemble ou de rapprocher, mais ce sont deux ex. Donc, puis c'est d'avoir, c'est dans vous, si vous êtes ici en train de passer par une séparation, un break-up, you know, il est même probable que cette séparation-là, vous n'allez même pas vraiment être affecté par cette séparation émotionnellement. Ça va plus être ici comme une libération. Et cette même séparation va vous causer de vous réconcilier avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ou encore quelqu'un que voilà, vous ne saviez même pas que vous auriez pu vous réconcilier avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui est très 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 jeune, qui est dans votre énergie. Donc si vous êtes ici un homme âgé, disons que vous avez 40, 50 ans, on a ici une jeune femme qui peut même avoir l'âge de votre fille, qui est intéressée à vous ou encore qui vous intéresse. On a ici les anges qui me disent que c'est une femme à qui vous avez beaucoup à apprendre. Peut-être qu'elle était votre élève, elle était votre petite protégée. Il est aussi probable que vous travaillez dans la même entreprise. Vous aviez pour habitude de la surveiller ou encore de l'espionner. Yeah. Mais elle est vraiment plus jeune que vous. Oui, c'est un bâtiment dont on a ici les anges qui me disent que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très forte en écriture, très forte en poème, très forte dans l'art de pouvoir exprimer son cœur et ses émotions à travers l'écriture. On a ici quelqu'un qui est capable de ramener l'art contemporain dans le monde moderne et d'en faire de l'art moderne. C'est une personne qui est très talentueuse. Et il est probable que vous avez ici reçu un message d'une personne. Vous avez reçu le message d'une personne. Vous avez enfin reçu des nouvelles d'une personne. Surtout si c'est une personne avec qui vous avez eu à vous séparer. Vous n'avez plus revu cette personne depuis longtemps. Ou encore, vous aviez décidé vous-même de ne plus revenir avec cette personne dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous rapprocher de cette femme. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui ramène cette femme dans votre énergie.
Elle est peut-être Gémeaux. Ou Balance ascendant. Mais elle est célibataire. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent à soi que si ça fait déjà bien longtemps que vous n'avez pas vu une personne, elle est devenue non seulement beaucoup plus belle qu'avant, elle est devenue mature. On a ici quelqu'un qui a un peu grandi, qui a presque la trentaine maintenant ou qui a déjà la trentaine. Cette même femme. On a même ici quelqu'un qui a changé de métier. Elle a eu une promotion dans le métier qu'elle faisait dans la période où vous l'aviez rencontrée. Et aujourd'hui, elle est très abondante financièrement, très indépendante financièrement. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup aller au bord de la plage, ou encore quelqu'un qui aime aller à Hawaï, ou quelqu'un qui s'apprête à aller au bord de la plage. Mais elle est célibataire. Je ne sais pas pourquoi les anges me la montrent ici comme la Vierge Marie. Il est aussi probable qu'elle est vierge ou qu'elle pratique l'abstinence. Ok? Oui, c'est maintenant vous, vous n'auriez jamais cru que cette personne allait revenir dans votre vie. Surtout parce que, à l'heure où je parle, il est probable que vous-même, vous êtes en train de passer par une séparation, ou encore si vous habitez avec quelqu'un, vous n'habitez plus avec quelqu'un, vous avez fait une séparation de biens, ou il y avait un divorce entre vous et quelqu'un, et on a ce divorce-là aujourd'hui qui est décrété final. On a une maison même que vous avez vendue. Après avoir vendu une maison, vous avez partagé l'argent de la vente en deux avec votre ex-partenaire. On a ici les anges qui me disent que financièrement parlant, vous n'avez pas vraiment de problème parce que vous êtes plutôt stable, vous-même en tant que tel. Vous êtes peut-être même riche. Yeah, vous êtes riche. C'est bâti d'entre vous. Il est probable que vous étiez le patron d'une personne, d'accord? Ben, on a ici les anges qui me disent que vous aviez une certaine manière de faire de l'argent. Il est probable que vous investissiez dans l'immobilier. Vous investissez dans l'immobilier, vous vendez les maisons, vous achetez les maisons. Okay, je vois ici quelqu'un qui achetait les maisons inachevées, qui les rebâtissait et ensuite qui les revendait. So, vous avez l'argent. Ok? Et même vous aviez deux boulots, pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous êtes banquier. Vous travaillez sûrement ici dans une banque. Pour une autre partie, vous avez sûrement changé de travail. Ou si vous n'avez pas changé de travail, vous avez une promotion dans l'entreprise actuelle dans laquelle vous êtes. Vous êtes en tout cas un bon banquier, un très bon banquier. Vous gagnez des bonus. Ou encore, vous êtes comptable. On a ici une femme qui revient dans votre vie. Et on a ici des anges qui me disent que le retour de cette personne dans votre vie va carrément changer votre vie. Plus rien ne sera pareil après le retour de cette femme. Parce que si vous l'aviez rencontrée dans une période où elle n'était pas mature, aujourd'hui vous allez la revoir dans une période où elle est très mature. Vous allez même être étonné de vous sentir attiré par cette personne un peu plus. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour qu'on puisse voir la suite de cette lecture. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Okay? On a donc les Gémeaux, les Balances, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes ascendants, mais aussi Taureaux ascendants. Bisous, bye.